Ok, de retour, je vais vous présenter le quartier le plus réussi à mon goût, avec le plus de passagers de train. J'adore ce quartier. Il faut savoir qu'en fait, je vous ai menti, j'ai pas fait les choses spécialement 1, 2, 3, mais genre cette zone industrielle, j'ai fait très très vite, celle-là aussi d'ailleurs. Toute cette partie, je l'ai fait très vite, bien avant tout ça. Bien, ça, c'est quasiment les trucs, j'ai fait un tout dernier, ça, quasiment au dernier. Ça, je l'ai fait avant le centre, cette partie-là. Cette partie-là après le centre, enfin, c'est pas très. Très organique comme création, mais moi j'aime bien, je fais quand je veux. Alors dans cette partie-là, on a la gare principale, évidemment, de passage, qui est au milieu de notre voie de chemin de fer, qui va vers la gare principale de la ville, avec notre petite tour un peu désaxée, mais pour une bonne raison, de touristes. Quatre voies, c'est pas une très grosse gare, mais c'est une gare meudée, qui est longue. Et moi j'aime bien cette gare longue, parce que je voulais avoir les trains longs déjà, de ma ligne bleue dont je parlerai plus tard, qui est un peu mon bébé, et puis surtout je trouve ça réaliste pour... C'est un peu une gare, vous voyez, Massy-Palaiseau, en mode très grande gare. Avant, les gares, genre gare de Lyon, avec plus de longs quais, enfin plus de quais que de longs quais. Voilà. Et donc là, c'est tout mon complexe ferroviaire. Donc là, les trains, la ligne 1 et ma ligne bleue arrivent ici. On a ma petite ligne Transilien Vert qui dessert tout ce quartier-là, qui part d'ici, qui arrive ici. C'est un peu le point, le truc central. Donc je vous ai déjà parlé de ma ligne 1 qui part d'ici. Je vous parlais du coup de la ligne verte qui commence dans ce quartier-là. Bah, je vais parler de ça aussi en même temps, tiens, parce qu'il y a le métro aussi blanc qui passe par là. Donc c'est la ligne, une ligne très empruntée, étrangement. Je vais vous dire quand. Mais du coup elle part d'ici. Elle traverse ici, elle s'arrête dans cette gare. C'est les Z50 000 Transilien, c'est ceux-là. Ici elle a une énorme. Vous voyez tous les gens à quai en transparence. Je sais pas si on les voit. Tous les gens ici, ben alors, elle n'arrive jamais à les embarquer tous malgré les 560 passagers qu'elle peut embarquer. Elle n'arrive jamais à les embarquer. Elle part par là. Oula, c'est laggy. Faire poser en fait. Elle part par là. Chut. Là, vous voyez, il y a ma fameuse ligne dont je vous tease depuis tout à l'heure, mais bon, je ne parle pas. Elle monte ici en rampe. Rampe douce, hein, on peut vérifier, mais je ne ferai pas. Elle arrive ici, grosse interconnexion bus-tram. Donc là, c'est une très grosse desserte. Il y a beaucoup de monde qui descend et qui monte. Les bus, tout simplement, ils desservent cette route-là. Cette route-là, ils desservent cette route-là. Et là, il y a le tram bleu dont je vais reparler dans cette partie, du coup, parce qu'on est sur mon quartier. Et là, j'ai un petit tram avec des petits cimentos. Des petits. Non, non, pas cimentos, n'importe quoi. Des petits trams cimentes. Parce que je voulais mettre des petits trams, mais malheureusement, j'ai pas de petits trams beaux. Même s'il y a les trams du jeu maintenant, des petits trams, ils ont mis plus de trams. Et voilà, donc c'est une petite trame qui dessert un peu un petit quartier pavillonnaire un peu richos ici et qui monte jusque dans un quartier pauvre. Correspondance avec le métro. J'ai plus d'eau dans la gorge. Je parle trop. Voilà, il passe ici. Là, il manque la peinture. Il y a terminus au milieu du quartier pauvre, pas d'école, rien du tout. Voilà. Il passe, c'est la seule fois où il y a un rond-point et le tram passe au milieu du rond-point avec des feux. C'est-à-dire que il y a un feu d'attente et quand le tram s'engage sur le feu, enfin devant le rond-point, ça bloque la circulation pour aller devant, la circulation pour aller à droite est encore bonne. Le tram il a 6 secondes pour passer, c'est largement assez. Ah bon là il est pas paramétré mais j'ai des problèmes, j'ai des gros problèmes de mode sur mon jeu. En même temps, c'est une grosse map, 200 000 habitants, beaucoup de tuiles, vous pouvez le voir. Beaucoup d'assets, beaucoup d'avions, beaucoup de trams, beaucoup de bateaux, beaucoup de trucs, beaucoup trop de trucs. Là, je regarde, je surveille mes mémoires, je suis déjà juste le jeu 3 gigas. Voilà. Alors, pour reparler de mon tram vert, donc on était arrêté à cette gare, grosse desserte, et c'est un train transilien qui a des longues distances, contrairement à la plupart que je vous ai montré pour l'instant. C'est-à-dire qu'il va. Bon, là, c'est pas très long, mais là, c'est long. Et là, il s'arrête ici. Dessert zone industrielle et tout ce quartier-là, plutôt assez emprunté. Il y a encore quelque chose de long, on passe là. Là, c'est long encore, et là, on arrive à la fameuse gare un peu intersection, un peu. Ça me fait penser à une gare, mais je ne saurais plus laquelle en Ile-de-France, où il y a beaucoup de gens comme ça. Enfin, il y a une voie en dessous, un peu en banlieue très loin. Où j'ai ma ligne de train 5 qui s'arrête là, et elle, c'est qui s'arrête là aussi en terminus. Et j'aime bien le fait qu'il y ait deux fois deux voies, même si dans le jeu. Les trains utilisent une seule voie pour s'arrêter. Moi, je m'imagine que, comme dans la vraie vie, t'as un quai qui est réservé pour la destination par là, un quai qui est réservé pour la destination par là.
Et si les trains, il y a un train stationné, il peut en avoir un autre qui vient ici, le train ici part, puis c'est celui-là, puis il y en a un qui vient là, un qui vient là, bon, vous avez compris. Mais je vais vous reparler de cette gare dans pas longtemps. On va revenir à ma gare principale. Et je vais parler maintenant du RER, la seule ligne de RER que j'ai. Et je vous en parlais en mettant le mode pour voir les transports en commun. Parce que c'est la ligne bleue qu'on voit ici, qui commence originellement depuis cette gare, qui s'enfonce dans le sol, qui passe dans les gares souterraines, qui sont de très beaux assets, je trouve, qui sont très fonctionnels, qui arrivent ici, et ce sont des RER. Mais malheureusement, les RER, ils ont une faible capacité, vous voyez, 40, 440 personnes, c'est rien du tout. J'ai des trains avec 800 personnes. Les RER, c'est des 5 voitures, ils sont censés embarquer dans la vraie vie vraie 2600 personnes. Et ils ont modé 442, alors que mes Z50 000, 20 500, ils en embarquent 850. Voilà. Donc c'est un peu décevant, mais elle est pas tant empruntée que ça cette ligne, et elle est boostée si on regarde l'économie. Elle roule à 136%, donc il y a un train en plus. Et c'est d'ailleurs c'est la même chose pour cette ligne. Elle est boostée, elle roule avec un train en plus, 100%, parce que sinon ils seraient tous pleins, vous voyez, 822, je vous en parlerai plus tard. Donc mes RER, en voici un. Il plonge, il dessert tout ce quartier-là. Il a une grosse empreinte, il n'avance pas de la grosse distance, un peu style RERB, mélange RERB, RERA, des pizarres. Ensuite, on dessert tout le CBO, c'est une des seules gares qui est. Ah non, elle n'est pas nommée. Bon, je pensais qu'elle était nommée, mais bon. Ah non, c'est juste les quartiers. J'aimais beaucoup dans mes anciennes parties nommer mes gares, mais je le fais plus là. Donc tout ça avec une place centrale, tout ça, je trouve ça très beau. Ça fait très Châtelet-Léal, je trouve. Bon, c'est pas Châtelet, mais avoir un parc et tout avec une grande tour, ça fait plutôt la Défense, on va dire. Voilà, la Défense. Une correspondance bus, une correspondance évidemment avec mon tram qui charge beaucoup de gens ici. Ensuite, on continue. Virage à droite en sous-sol avec un peu style RER, des gros virages, sa mère. Ouais, des très gros virages pour rouler très vite. Et petite gare qui dessert un peu ce quartier qui lui fait plus. Mais la Défense aussi, enfin j'en sais rien, une grande place avec des magasins et tout, j'en sais rien. Bref, et là il manque de la peinture. Ensuite, on passe sous le métro et on arrive en terminus à cette gare. Alors, parlons de cette gare enfin. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi important dans cette gare? Dans cette gare, en fait, on a la desserte pour l'aéroport, qui est mon premier aéroport que j'ai posé ici, mais malheureusement qui n'est pas du tout emprunté. Et franchement, je suis dégoûté parce que je pensais que ça attirait beaucoup de touristes, mais bon, ça n'en attire pas du tout. Et avant ici, il y avait là une tour de touristes, c'est ma première que j'ai mise en même temps que l'aéroport. Bah, tiens, il y a le train pour l'aéroport qui est là, c'est celui-là. J'ai laissé parce qu'il y a quand même des commerces et des activités, bon, bref. Et du coup, ça desservait ça. Et ça dessert aussi, depuis cette gare, on peut prendre ce train-là, magnifique train corail, bien modé, qui lui ne va pas à l'aéroport, qui part par là, qui va dans le désert et qui dessert ma vie désertique et qui va après à cette gare-là. Bon, il y a très peu de gens qui vont de là à là-bas, mais il y en a quelques-uns. Je pense par exemple, j'avais suivi une fois un mec qui voulait aller au collège là, en partant depuis, je sais plus où ici, il a fait tout le tour par là, c'était un trajet affreusement long, mais au moins il prenait qu'un seul train. Mais il aurait pu prendre qu'un seul train. Ah non, il aurait dû changer pour en prendre un deuxième. Et mon RER n'est pas très très emprunté malheureusement. Même avec la desserte qui était immense de la tour de la touriste ici, il n'y avait personne qui l'empruntait. Personne, personne, personne. D'ailleurs, ça va un peu mieux, parce qu'il y a une prolongation de mon RER. Je veux savoir pourquoi la musique, je sais plus. Pourtant, elle dessert bien le centre, mais en fait, je pense qu'elle est doublée par le métro et les deux ensemble se vident l'un l'autre. Si je retirais l'une des deux, ça serait blindé et là, j'aimerais bien. Avant, elle était terminus dans ma gare, mais maintenant, hop, petite rampe, on plonge un peu serré entre les voitures en fer, c'est pour ça que là, c'est du pont, c'est pour pas avoir des trucs immondes de zones texturées qui clipent. Là, c'est un pont de TGV parce que c'est les plus fins, sinon, j'aurais pas pu le descendre assez pour avoir une rampe cool. Ensuite, on passe en sous-sol. Virage assez massif mais quand même très serré, et hop là c'est vraiment du RERB. On dessert une grosse zone industrielle, il y a 200 mètres, encore une gare, on dessert tout ce quartier là. Donc c'est vraiment du RER là, il y a vraiment rien du tout. Il y a un obstacle naturel en fait. J'aime bien voir des gares quand il y a des obstacles naturels.
Enfin, naturel, on peut pas progresser de là à là, il n'y a pas de route quoi. S'il y avait une route, j'aurais pas mis de gare aussi proche. Et après, on plonge, on plonge, on plonge avec des très fortes courbes et des très fortes pentes. Là, c'est très serré donc ça va très doucement. Et on remonte pour passer sous le métro qui passe ici, qui est quand même un peu plus haut que d'habitude. Et on remonte pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc là, le RER se connecte à l'aéroport, c'est génial, il y a du monde qui va jusqu'à l'aéroport. Pas trop dans l'autre sens, mais au moins il arrive un peu chargé quand il passe par là. C'est cool. Alors, maintenant on va pouvoir parler du métro. Le métro de ce coin. Ça commence par cette ligne verte qui dessert du coup toute la route au-dessus de mon RER. Donc un petit arrêt là, un petit arrêt en correspondance ici. Toujours pas de correspondance parce que sinon ça me de correspondance directe parce que sinon ça mettrait une seule voie comme la première partie de la ville, deuxième partie de la ville. Et il y a quand même du monde. Hein. Regardez comment il l'emporte lui. Voilà, ça va. Vous voyez, c'est pas non plus dégueu. C'est que des métros custom. Là, c'est des. Je sais pas regarder, c'est quoi? Le 977. J'adore ce train. Hop, on dessert ici. On dessert le petit quartier avec le stade. Ah, si je fais celle-là, c'est bien ici aussi. Des petits bus à droite à gauche, des petits parkings. Et ensuite, là, à partir de là, il y a moins de gens dans ce métro. Malheureusement. Une petite correspondance ici. Je pense que là, ça tue la. Ça tue la correspondance. Pourtant, il est assez cool. Il est connecté à celui-là. Cette gare est magnifique, je trouve. Enfin, elle s'intègre bien. Il faudra peut-être une place ici, là. Mais je ne peux pas la faire sans que ce soit déconnecté. Mais là, petit virage, ça. J'aime vraiment cette boucle. On dirait un peu la Seine qui fait un peu des boucles comme ça dans Paris. Bon, bref. L'interconnexion là, on sort très vite de terre. On pourrait voir un peu comme sur la 6, à la place d'Italie, la terre ici. Enfin, l'air. Hop, on est connecté avec une ligne de bus qui fait est-ouest ici. Dernier arrêt avant de traverser et desserte de mon université. Ma ligne de métro a fait ça. Et l'autre côté, hop, on roule un peu plus vite. Ouh, zone industrielle très empruntée cet arrêt avec des lignes de bus qui traversent de long en large ici, qui se connectent à ici et à. Voilà, bon, bref. Ensuite, hop, on passe ici. Ici, c'est plus haut, c'est pas à moins 12 mètres, c'est un peu plus haut. Il y a une ligne de bus ici qui me casse les couilles. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, non. Hop les, voilà, tu me fais plus chier. Enfin, elle a supprimé un arrêt, mais au moins elle me fait moins chier. J'aime bien ici, ça suit la route, c'est assez organique, ça marche. Genre, la route s'enfonce ici pour laisser passer le fret, ce qui arrive juste ici, mais ça marche. Et ensuite, hop, terminus, on arrive là. Je pourrais tourner la gare, honnêtement, pour pas avoir ce gros trou dégueulasse, mais j'aime bien comme ça, la route. Voilà, genre la faire comme ça. Mais bon, j'ai la flemme. Terminus en liaison direct avec le train. Ensuite, ma deuxième ligne de métro qui passe par là, c'est la ligne blanche que j'ai fait bien plus tard, qui dessert le quartier pauvre et industriel ici, qui continue le long de cet axe, qui est pas très emprunté malheureusement. Pourtant, il y a une desserte bus ici. Elle dessert aussi ici un des rares cas de croisement métro-train où il n'y a pas de correspondance, c'est ça. C'est pas une correspondance, ça. C'est assez rare dans mes villes, j'aime pas trop faire ça, mais là je l'ai fait, je trouve ça plutôt beau. Là, il y a du monde qui commence à monter. Petite desserte foot. Oui, c'est des petites distances, un peu comme j'aime bien faire des petites distances pour le métro. Et ensuite, on plonge ici pour passer sous la gare principale. Là, on a beaucoup de passages parce que on a beaucoup d'attente, vous voyez, parce que le prochain arrêt, on remonte, on passe ici. C'est la tour à touristes. Et la tour à touristes, soit les gens y descendent. Pour aller à la tour à touristes, soit ils restent dans le train et ils viennent de la tour à touristes pour aller ici, pour sortir de terre, passer ici, virage très serré. C'est la ligne des virages très serrés, celle-là. Vraiment, ici, ça freine à mort. On dessert un petit quartier où il y a un peu de monde. On dessert aussi tout ce quartier un peu pauvre, où il n'y a pas trop d'école, pas trop de commerce, tout ça. Et on arrive sur le tram. Et pourquoi tous les touristes ils viennent là? Parce qu'ils prennent le métro, ils descendent tous ici et là, il n'y a que du tourisme. Que du tourisme, que du tourisme. Voilà. Donc ils sont très contents de descendre là, ils ont du tourisme partout ici. Là, on a un petit port qui est très emprunté. Alors, si on regarde celui-là, il y en a sûrement un autre pas très loin. Il n'y a pas. Souvent, ils arrivent à deux. Du coup, il y a quand même du monde qui arrive ici, mais qui part par là, pas du tout par là. Et j'aime bien ce quartier-là. C'est dommage que le métro soit pas encore plus emprunté ici, c'est-à-dire qu'à partir de là, si on regarde, là, il doit avoir même pas. Et je fais un pari, 50 personnes devant. 34, vous voyez. Pff, pas grand monde. C'est que c'est pas emprunté en fait. On passe par là, donc là
On est ici. On retrouve notre correspondance avec la ligne violette qui est pas très empruntée non plus. Et là, on est genre sur quelque chose que j'aime bien, mais c'est pas du tout emprunté. C'est qu'on a une première correspondance avec la tour ici et là. Ça devrait être plus emprunté parce que là, ça attire les touristes. Et ensuite, on a une grande courbe un peu style RER pour aller sur la place du champ de la nouvelle mise à jour gratuite pour le nouveau jeu Cities Skyline 2. Mais bon, pas du tout emprunté. Vous voyez, 13 personnes. Enfin, pourtant, ça dessert des trucs touristiques. Mais bon, dommage. Alors, 15 minutes d'enregistrement. Je pense que je vais tout le code de manière différente sur YouTube, ce sera plus simple. Ferme ta gueule, petite oiseau de merde. On va parler du fret rapidement, ce que je fais à chaque fois. Donc, on a le fret qui arrive de par ici, il passe au-dessus d'ici. Hop, hop, hop. Il a ici une gare avec un contournement pour toute cette zone-là. On a aussi ici un petit trèfle pour partir vers une desserte fret au milieu de cette ville-là. Ensuite, on part ici, j'aime beaucoup ce virage qui passe au-dessus de la route. Et là, on a une gare qui n'est pas active. Et on arrive sur le fret ici avec une petite gare qui part par là. Et là, on a un endroit qui bouchonne un peu. On a la ligne desserte fret pour toute cette zone-là. Un petit port ici pour le fret aussi. Et là, on a tout la voie qui fait tout le tour, qui est connectée à l'extérieur, par ici, qui fait aussi tout le tour de ma ville. Oula, pardon. Petite connexion ici. Et on continue. Et là, c'est sur l'aéroport de fret qui est là. J'ai cru voir un avion sur l'aéroport de touristes, mais non. Et on repart vers le nord. Le fret fait tout le tour, comme vous avez pu le voir au cours des différentes vidéos. Je ne pense pas faire de vue de toute façon, j'espère. Voilà. Ça sert à me dire que j'en ferai pas, mais voilà. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce que j'ai pu oublier et de ma ligne de train que j'aime tant que ça.